Lorsque Kun n'est ni en mouvement ni en combat sur un QG ou un point de contrôle, plus 20% de défense pour les alliés. Et les généraux des unités Kin récupèrent. En fait, ils vont se soigner en boucle tout le temps, ils auront de la défense, de l'attaque. En vrai, ça va être super cool. Ouais, en vrai, les trucs comme ça, c'est le truc où tu zappes, mais dis-toi juste, essaye, ne bouge pas. Yo, essaye, bouge pas, et reste sur le QG. Et en plus, t'as de la chance, t'as souvent des QG dans les. Dans la mission 9, t'as un QG. C'est ça, dans la 9, t'as un QG, dans la mission 10, t'as un QG, donc tu fais ça. Ça te fait un tank au cas où. Ouais, on t'entend. Mais bien ou mal? Non, t'entends. Il faut juste que je baisse un peu le son de raton qui est à 100%, mais. Ouais. Moi, c'est Duke qu'il faut que je monte. Après, Duke, j'y parle pas là. Là, je peux te dire quelque chose, mais. Ok, mais non. Ouais, je l'ai mis au max déjà. Je Je vais monte le tout son, il remettre passe. tout le monde à 100. Je crois que raton, il est à 3000%, même pas. Même pas, il est à 100. Eh bah ouais. Mais raton, il a une grosse voix, raton. Non, j'ai juste le micro dans ma bouche. Raton le daron. Attends, le daron. T'es plus vieux que moi, pourquoi? Mais alors, tu peux être daron avant. À 15 ans, t'es en âge C'est vrai, c'est vrai. de féconder, donc. C'est vrai, c'est vrai. Pardon. J'étais en train de finir mes teams. Ah si, j'étais en train de réfléchir. Est-ce que Ryboku mieux que Genkishin pour boost les dégâts sur le mur? Non. Vu qu'il Non. donne 50% au mur. Ouais, mais il donne 50% au mur. Genkishin, il donne quoi? Ah, il donne pas 50% au mur. Ouais, bon, ça, bon, j'ai Ouais, mais compris, j'ai il donne compris, l'attaque. j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. 1, 2, 3. Par contre, j'entends l'écho de Wiper. C'est Ouais, ah bon? pas normal, comment t'entends l'écho de Wiper? Ah si si, On... qui? Moi aussi là, il t'a parlé, mon micro il s'est activé. Alors, attends. Voilà. Vas-y, test pro parle. Allô? Attends. Ah, il a débloqué Kakukai, Duke. C'est bon? Ah ouais, peut-être. Hein. Non, ça s'active toujours. Moi aussi en plus j'ai de l'écho. Et là, ça va bien? Non, Bon, on attend un j'entends peu plus, d'écho, j'entends c'est pas plus grave. en fait. Et là, vous m'entendez? Oh ouais. Ouais, on t'entend bien. Et y a pas Bah d'écho. normalement, il y a plus d'écho. Ouais. Oh, Y a Kakukai, plus. c'est cool ça. Tatatin, est-ce que le vocal est bien? Oui, non, c'est bon. 2 minutes. On a tellement de serveurs à rien. Bah, au cas où, si t'as un lien ou est-ce qu'il a alliance, au moins tu l'as quoi. Ouais. Moi, c'est le truc qui me fait flipper, c'est d'avoir des persos comme ça où ils sont dans des skills alliance ou des liens. Ok. 2 Mais ouais. minutes. Ensuite, Après, t'as j'ai Team Gakurai par exemple, 4. il lui manque un lien, tu vois, genre. Plutôt là, le mec de Zao, là, ça fait 3 ans qu'on attend son truc, son lien aussi à lui. Oui, c'est vrai qu'il y a un lien qui manque à lui. À qui? À À Chousu? lui. Lui? Et là, je sais pas qui c'est là. Ah, attends, je te passe ton stream. Ouais, Chousu, Je sais pas qui ouais. Ouais, c'est c'est lui. bizarre qu'il l'ait pas mis alors qu'en plus on le revoit plus. Mais Ça fait depuis 3 ans. day 3 one, 4 ans. day one. Depuis qu'il est sorti, personne ne sait qui est son skill, qui est son lien. Ils Bah, l'ont oublié. c'est pas Ils toujours. ont pas fait gaffe. Vous dites Chousu? Ah non, non, mais on a tous les persos, c'est pas possible. Moi j'ai pas tous les persos, mais je sais que c'est pas des persos ouais non plus Mais quoi. vous avez tous les persos et surtout le mec qui sait dès le début et personne ne parle de lui, quoi. C'est ça. Ah, ça a commencé. Ah ouais? Non, 30 secondes, tu m'as fait peur. Non, je dis ça va commencer, j'ai pas dit ça a Ah. commencé, tu vois. Tin 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 tin. J'ai eu le stream, vous m'excuserez, je laisse reposer Vas-y, mon vas-y. casque. Vas-y, t'as raison. Ouais, bah après mon sprint il pue la merde donc je vais pas stream, ouais, je pense. Moi je vais laguer et une fois que je peux jouer les 3 jours, je vais essayer de faire un score de T'as 15. raison, 15 focus. secondes. Vous pouvez le déclarer en 4, 13, hein? douze. On C'est vrai sait quoi? tout ce qu'on a envie qu'il se passe, vous pouvez Orca le il a déclarer en son 4. rendez-vous là. Allez, Orca il a le parfait. seum là. Il... Ah, c'est bien Sur ça. sa trottinette. Il y a des Là, canards il qui a même traversent pas la fait route son là, il peut vol même là, pas les c'est fou. faucher. Allez, c'est parti, les petits gars. Allez, Oula. let's go. Orca il va arriver, il dirait j'en ai marre des vieux. Ah bah ils te nourrissent les vieux, qu'est-ce qu'ils pleurent? C'est vrai qu'ils nourrissent les vieux. Allez hop. Bon allez, l'objectif c'est d'avoir 5 trucs essay pour débloquer essay au jour Fast à la King, fin go. du week-end.
Alors, on va tester l'aspect. Est-ce que l'aspect fonctionne? Si l'aspect fonctionne, je suis trop content. Vas-y, tu perds trop de temps là, pro. Non, mais. Ça, c'est ta mission 2 là. Non, non. On a dit on veut tester ça. Qu'est-ce qu'ils font? J'ai mis auto et la première mission, ils sont restés au spawn, je sais pas. Ah, c'est parce que t'as pas mis le bouton du milieu en auto aussi. Des fois, ça me le fait. Ok, Ordo qui se paie. Mais pourquoi t'es en x5 là? X1. Je veux tester Riboku. Yes! Riboku il passe après le lead. On est ok. Donc ça veut dire que ton Shushin-kun il va pouvoir faire des dingueries. Ah bah je le sais, il le fait déjà, t'inquiète. C'était quoi ta théorie là? Alors attends. Je vais baisser ça. En fait, si on avait calculé. Sur ma dernière vidéo, je sais pas si tu as vu, c'était pour jouer Akin. Et en gros, je disais que. Si tu jouais. Putain, vient d'arriver. Et non, il est pas là, putain. Faut vite le kick. Si, il vient d'arriver là. Ah, mais là, il est encore sur ta trottinette là. Je sais pas. Oh là là, non, par cas. Non, par cas. En tout cas, Riboku passe après lead, ça c'est cool. T'inquiète, fais top 1. Fais top 1, t'inquiète. Ah, j'ai pas du tort parce que je crois qu'il y avait un cadavre qui flottait au-dessus de l'eau. Ah putain! Oh l'excuse! L'excuse du cadavre! Aïe aïe aïe! Tout le monde l'a déjà fait celle-là, top! Hein. Déjà fait. Ah non, je me suis arrêté avec un mec et en fait on savait pas si c'était un sac ou le cadavre de quelqu'un. Ça peut pas être un sac parce que le truc il flotte au-dessus de l'eau, on est d'accord? C'est pas possible techniquement. Ça peut être le cadavre d'un autre truc? Après, ton sac s'il est juste fermé hermétiquement, l'air il flotte au-dessus de l'eau donc c'est bon. Bah oui. Tu sais que théoriquement tu flottes hein. Tu flottes encore hein. Et puis ça peut être ça peut être le cadavre d'un animal aussi, un petit chat ou un truc comme ça. Hein. Oh ça va. Non, non, on aurait pas le petit chat, pas le petit chat. On aurait pu dire un poisson, mais non. Il y a un blouson ou un sac. Un cadavre de blouson, ça existe pas par contre. Non mais Orca, un cadavre de blouson, il a dit. Raton, il a tué un mec juste pour te ralentir. Voilà. Il l'a mis sur ta route, on savait que ça. Non, eh, moi j'ai un alibi, j'étais à machine intérieure, inférieure, c'est bon. Putain, c'est vrai. Perdu ma vie. Faut que j'aille le mode auto. Alors du coup, je disais, si je mets l'aspect auto sur Ordo, qui a 100% de morale via Rouaï, okay. Dès le début de la partie, commence par stream, auto. Commence par stream et dis-nous... Bah il stream non, là. Non, mon stream est... Ouais, il faut aller sur Twitch, le stream Discord est nul à chier. Oh non, ça bug toujours. Ah oh, ouais, ouais. Autant le vocal, ça va mieux. Mais la vidéo elle est nulle. En même temps, j'ai pas Nitro donc je peux streamer que 30 FPS et 720p donc c'est pas faux. Après, si tu fais deux streams différents, c'est un peu chiant. Parce que ça te bouffe plus. Mais t'es le seul qui bug hein, pour le stream. Non, c'est parce qu'en fait, il fait plusieurs streams en même temps. Il fait Twitch, la bande passante de Twitch, puis ce Discord. Autant qu'il en fasse qu'un. C'est ça, donc il fait plein de trucs en même temps. Du coup, je disais. Sur la dernière vidéo que j'ai faite. Avec 100% de morale sur le lead, donc c'était Roachot. Non mais pro, mais qu'est-ce que tu fais là? Comment ça, qu'est-ce que je fais? Mais ta strat de double sté machin, tu fais pas ça sur le premier rouleau? Non, non, non. Mais je sais même pas pourquoi il se fait, non. Mais enlève tes spé, mais enlève l'auto, enlève l'auto, tu vas perdre du temps. Ce gars, il va battre un footiste. Enlève l'auto. Parce qu'ils sont en train de spé depuis tout à l'heure, là. Mais j'avais pas tilté, my bad. Mais là, c'est parce qu'on est sur le siège, c'est normal. Sur le siège, j'avais activé l'aspect pour tester. Du coup, je disais, j'avais fait une vidéo avec Roachot lead qui donne 100% de morale à Q. J'avais activé l'aspect auto, donc Q et le spé. Mais vu que Q elle est LG, elle pouvait rechoper une spé juste après. Et ça permettait du coup de préparer un autre truc, genre Ukotsu, genre de truc. Et là, du coup, j'ai testé avec Ordo, c'est pareil. Donc Ordo, il a 100% de morale via Rouai. Et ensuite, il va choper 100% de morale grâce à Riboku LG. Donc Shushin-kun sous le lead de Rien, il va choper 100% de morale. Bah non, pas besoin. Shushin-kun, il se chope déjà 100% de morale. Non mais Shushin-kun, il va choper 100% de morale sur Rien, il va spé. Oui. Ensuite, il va choper 100% de morale via Riboku LG, il va respé. Et ensuite, si t'as un Riboku sur le terrain avec la carte scène, il va rechoper 100% de morale. Donc il va pouvoir faire 3 spé en une seconde. Oui, mais en fait, Rien donne déjà ça. Ouais, mais comme ça, t'es sûr de faire encore plus de spé. Ouais, mais Rien te donne une chance sur 4 de respé après une spé. Bah justement, si tu fais 3 spé en une seconde, tu gagnes encore plus de spé. Et ça marche aussi, j'ai dit ça, mais ça marche aussi avec Kanmei.
Kanmei, vous pourrez faire 3 spé d'un coup. Pro nous a trouvé le cheat code. Bah en tout cas, ça peut marcher sur des persos à stack, genre... Tu dis, le Gotsu qui spé 2 fois en 1 seconde, c'est fort. Parce que là, du coup, tu peux sauvegarder ta spé. Au tout début, vous reverrez le replay, je l'ai fait sur la première mission. C'est quoi déjà, attends, le truc du full auto, là, où il faut cocher. Merde, il y a 6 trucs et faut en mettre les 3 à gauche bleus. Non, quand tu lances le full auto, tu peux cocher un truc, tu peux ne pas le cocher et lancer le full auto quand même. Non, mais de toute façon, tu coches tout parce qu'il n'y a pas les sièges spéciaux. C'est les trucs des sièges. Ah, c'est bien plus pensé. Ouais, c'est en gros quand tu arrives au siège, est-ce que tu t'autorises ou je sais pas quoi. En gros, de toute façon, je suis en mode semi-auto. En vrai, faut pas être full auto tout le temps. Faut être en semi-auto. Tu mets l'auto et tu coupes à certains moments pour aller plus vite. En fait, le souci du full auto, c'est que parfois ça fait comme les persos de pro. En fait, ils se barrent, ils vont aller à droite, à gauche. Ah, sur certaines missions, ouais. Ça fait quand. Ok, t'as dit ça fait ce que fait pro quand il est pas en mode auto. Non, quand il est en mode auto. Mais après, c'est pour ça que tu peux juste gérer les missions. Tu peux dire à un perso, toi tu focus le chef et c'est bon. Oh non, c'est ce que j'ai fait. Je me mets en auto, je zappe l'espèce de chargement, j'enlève l'auto, je cible direct. Ah, on n'a pas besoin d'être assisté, pour Teget. On arrive à gérer nos persos. Bah écoute, y a un ordi qui te le fait pour toi, donc je sais pas pourquoi tu. Allez, l'ordi, il réfléchit pas. Ah, mais regarde moi non plus. Bah si, non, moi tu réfléchis un peu plus que l'ordi quand même. Je pense pas, hein. Respecte-toi, quoi. Ah, je me respecte, moi j'ai dit non. Pensez quoi du portail qui va arriver avec Shikika, Rui et Junso et notre star préféré à tous, nous. C'est un portail pas ouf. En fait, ne te focus pas sur le portail. Tu peux, enfin, perso... Ouais, mais en fait, c'est pas... Plus oui. C'est un portail bizarre, en fait. Je sais pas si ça te parle, mais en gros, c'est les portails qu'on avait à l'époque où, en fait, tu drops un ticket. Et ce ticket, il te permet de changer contre un personnage. En fait, c'est bien quand t'as le ticket gratos qu'on te donne avec les events. Et t'as une probabilité d'avoir les tickets, tu prends un 3 étoiles. Pour faire simple, du coup, c'est le fameux portail où tu sais, dans le portail, tu pulls et tu peux drop des tickets. Et ces tickets-là, ouais, tu les échanges dans le shop pour avoir des médailles. Soit 5 médailles, soit le personnage. Ouais, c'est ça. Voilà. Exactement. C'est ça. De la merde. Okay, voilà. Ça aurait été un truc à palier, ça aurait été sympa. Ça bien, ouais. Par contre, c'est pas que Rui et Shikika, c'est vraiment juste tous les archers, tous les boucliers. Hein. Oui, c'est ça. Oui, bah nous on dit Rui Shikika parce que c'est les deux meilleurs, mais. Oui. Non, moi Shikika, je suis content. Hein. Moi j'ai Shikika garanti. Mobu, je suis encore plus content, tu vois. Mobu, c'est. J'ai fait un match. Et je l'utilise tous les jours. Ah putain, je vais rater ça. Je me dis pas du tout comme ça, du coup. Ah, mais attends, ah, mais j'ai pas paramétré le mode auto, ça m'arrête tout le temps. Dommage. Moi aussi au ciel, ça m'arrête. Ouais, dommage. C'est bizarre, moi ça le fait pas. Ah, bah après, même comme ça, je vais plus vite. Hein, donc on va y couper. Mais après, ça va, j'ai voulu tester la strat. Ça peut te servir, je te sais un truc avec Riboku, donc. Non, mais t'inquiète, nous on a pas besoin de ça, je suis pas besoin de strat. On a pas besoin de ça. Ça va être tout droit. Sorti le premier rôle. Oh, je peux rattraper, Non, je l'ai même dépassé. Putain. Mais c'est normal, gars, tu jouais et qu'est-ce que tu racontes? Ah, mais je suis nul en team rapide. Mais c'est toi qui il est lent de base. Je suis censé jouer Ordo team rapide pour booster Kyoka qui va super vite. Tu me dis, t'as qu'à jouer Roy. Là, je joue Roy, hein. Donc si tu me rattrapes, c'est que tu m'as fait faire une team de merde. Eh, hey, mais t'écoutes Orca en plus. Hey, c'est Orca. Non, attends. Là, mais Rato, je t'explique. On a calculé sa team rapide de base et la team avec Roi Elite. On a vu que Roi Elite, c'était beaucoup plus rapide. Donc, on a vu que c'était beaucoup plus rapide sur Ordo. Mais Kyoka, il se met en charge dès le début. Enfin, genre. Bah oui, mais sur le papier, Roi, il donne plus de vitesse. Mais je m'en fous qu'il donne plus de vitesse de base. Kyoka, il a plus de vitesse que Ordo. Mais non, t'as calculé même. T'as dit, oh putain, il a que 135 au total. Putain, c'est nul par rapport à Ordo et Anki. Par contre, fais pas les missions Mouten pro. Je fais toutes les missions. S'il y a un ticket doré qui peut me donner 100 orbes, je prends. Ah non, mais tu les auras pas. Il n'y a pas de ticket doré. C'est à partir du rouleau 4, je crois. Ça fait 6 ans que tu joues quand même. Écoute, je suis pas censé le savoir. À chaque fois, il rajoute une année.
Bientôt ça va être en mode, hey, ça fait 10 ans que tu joues, le jeu il est sorti il y a 5 ans. Bah, le jeu il va sortir, il est sorti il y a bientôt 6 ans. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, pour le coup, c'est 5 ans. Oui, il a 5 ans, mais 6 ans février. 6 ans février. Ah ouais. Ouais. Non, c'est 5 ans en février. Là, c'est 5 ans en février. Non, 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 c'est 4 ans. C'est sorti en 2018. C'était 4 ans et demi l'année, le demi anniversaire. T'es sûr que c'était pas 5-5? Non, non, non. C'était 5, déjà, déjà, l'anniversaire ouais. C'est février, mais c'est, le jeu il est pas vraiment sorti en février. Non, il est sorti en mars. Fin ouais. Mars. Non, non, il ment pas, il est sorti en mai-juin. Enfin, je me rappelle quand j'avais, je sais plus, que j'avais cherché des vieux trucs, j'étais remonté très très loin, genre des trucs du CM dans les fichiers du jeu et tout. Et c'est en fait le jeu est sorti genre limite l'été. Je me souviens avoir commencé en avril et il était sorti depuis 2 semaines, tu vois, 3 semaines. Moi dans ma tête c'est... Non mais, non mais en fait moi c'est même pas ça, c'est que dans ma mémoire je me souviens pas d'un 5-5 ou d'un 5. Si si, moi je me rappelle d'un 5. Le 4 et 4,5 je me souviens. Attends, on va voir ça. Non, c'est 6 ans moi. Pour moi c'est 5. Pour moi il est sorti en 2018 et j'ai commencé en 2019. Il a pas commencé en 2018 le jeu. Il a commencé en 2018 si. Ah ouais. Il y a écrit février 2018 en plus. Mais oui, c'est pour ça, voilà. Il me semble. Alors attends, ouais, sauf que 2018 à 2024, ça fait 5, 6 ans. Ah bah oui, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça fait bientôt 6 ans. Il y en a la 6ème, c'est bon. Non, bientôt 6. Oui, j'en suis sûr, c'est 5-5 le dernier qu'on a eu là. Bientôt 6 et toujours pas de PVP viable. Ouais, PVP qui sert à rien à part pour les pay to win là. Bientôt 6 et toujours sous chez Wai. Voilà. Non, mais il y a un nouveau event PVP qui arrive. On va voir ce que ça donne. Ah, ça oui, le truc des 10 champions là. Oula, ça j'aime. Ouais, le truc où c'est les 10 meilleurs de l'autre alliance qui peuvent. Ah, ça va être incroyable. Il y aura que des Français. Mais ça, c'était pas en event Karim? Non, c'est un autre truc. C'est un autre truc. C'est un nouvel event et en fait, c'est les 10 meilleurs de chaque alliance qui peuvent participer. Et ils vont faire comme dans Clash of Clans, c'est sûr et certain. C'est les 10 meilleurs de chaque truc. Et moi, je me rappelle, c'était dans l'Event Karim. Hein. Non, rien à voir avec l'Event Karim. Non, c'est un truc séparé. Genre, on est une alliance de 50, on devrait au moins mettre les 25. Ou les 20. Après, peut-être qu'il y a trop de joueurs, si tu mets 25, c'est peut-être pour ça. Ouais, c'est peut-être parce que ça bug ou truc comme. Ouais, mais évidemment, ça bug. Ça sera peut-être amélioré après, ou alors ils feront différentes catégories, genre. Les 10 meilleurs, puis les 10 secondes, et puis... Non, les 10 meilleurs, ça me va, hein. ça me chauffe. Alors qu'il y a des les 10 meilleurs en quoi? Les 10 meilleurs en quoi? Si c'est les 10 meilleurs en jouant à Kingdom Stack ou Kingdom Gestion, bon... Non, après, si c'est des Tarba et qu'ils disent que c'est les 10 meilleurs en puissance totale, toi, tu seras pas premier. Hein. Oui. Parce que ça va être ceux qui payent qui vont être en priorité. Ouais, mais dans notre team, il y a qui paye aussi, genre. Le truc, après, on connaît même pas le mode de jeu, on sait pas ça va être quoi. Si c'est un jeu de simulation ou. Non, je pense que ça sera classement. Avec son compte secondaire, il a pas mis un euro dedans. Hein. Non, mais en gros, tu vois, Raton, le mode event, PVP, soit c'est genre un mode simulation, donc vraiment c'est de la merde, soit c'est un mode, tu sais, un peu comme les CGG où t'as une mission et tu fais un score sur la mission. Ça pourrait être cool. Ça paraît trop bien. Ouais. Donc, leur système de récompense, si c'est les 10 meilleurs qui participent, faut quand même qu'ils récompensent toutes les personnes. Non, je pense que tout le monde sera récompensé. On aura des récompenses de guild. Ouais. Ah ouais, oui, mais les 10 meilleurs auront plus de récompenses par contre. Mais tout le monde aura des récompenses. Ah oui, mais du coup, ça motive encore plus. Parce que après, en du coup, t'as qu'à te motiver pour être dans les 10 premiers. Bah, en vrai, du coup. Après, vous savez. Il y a un monde où l'event. Dans les 3 jours, il y a moyen que je tape le top 15. Allez. 10, non, non, mais si... Non, mais si c'est pas un event de 3 jours, mais c'est un event où tu fais la mission quand tu veux et que tu fais un score, tu fais ton score. Il y a moyen de faire des beaux trucs, ouais. Ouais. Non, par contre, je viens de penser à un truc pour se faire niquer. C'est que Wei, Ai et Shu, ils vont se faire défoncer parce que les 3 quarts de nos leads sont des leads GA. Et ça sera pas un event GA. Non. Les 3 quarts de ton lead à toi. Moi, j'ai Shun Shin Kun, il fait tout. Moi, j'ai pareil, j'ai Hussein, il fait tout, hein. Voilà. Ouais, il a des leads riches, tout. Et après, ça va sortir que Ice est méta, quoi, sans déconner. Non, mais oui, mais Ice est méta pour la GA. Ouais. C'est comme Rien, tous ces leads à Rien, c'est GA quoi. Hein. C'est GA. Ah, Ice, c'est que des boosts GA? Bah, quasiment. Quasiment, ouais. C'est que des boosts GA ou skin ou contre-kin? Oh putain.
Donc si c'est pas GA, c'est pas contre Kin, bah c'est moins fort quoi. Bah c'est l'occasion de ressortir ton CLG que. Mais même Gakuki. Gakuki il a un skill GA et. En vrai, je crois qu'il a deux skills GA. Non mais je vais. Dans si suivant quand ça sort, je vais sortir Iboku, c'est tout. Bah non, tu peux sortir un petit Sai, un truc comme ça peut être cool. Non mais j'étais sur cette mission en 1980 pour. Mais 1980 si tu veux, mais. Toujours il abuse là, toujours il abuse, ça me rend ouf. C'est toi qui as changé ma team, hein. C'est toi qui as voulu que je joue ça. Non, on a calculé les boosts et on en a conclu tous les deux que ça va plus vite. C'est pas de ma faute, c'est les fautes des stats, c'est les fautes des devs. Voilà. C'est la faute des devs. Alors les calculs étaient pas bons, Kevin. Eh oui. Ah, tu l'as vu. Mais t'es de. C'est le rouleau 1 que tu fais là ? Oh, il fait un peu le rouleau 1. Le rouleau 2, putain ! Ah non, le 3, ça va. Non, putain, là, j'ai peur que ma fusil. Non, mais gars, genre. Pour le coup, tu m'as donné une team de merde, genre. Eh, par contre, vas-y, c'est trop chiant les, le mode auto sur le siège. Ouais. Jamais il va directement sur la porte. Il a l'opposé tout le temps. Il vaut toujours taper des randoms à droite, à gauche. Alors qu'il y a une option qui te permet de lui dire tape la porte, mais bon. Mais même pas, parce que si t'as un point entre la porte et toi, bah il va taper le point. Mais ils auraient pu rajouter une option taper la porte. Ça aurait été plus sympa. Ou taper le général. Ok. Rouleau 4, du coup. Pareil. Du coup, rouleau 4, tu peux faire l'émission spéciale. Ouais. Il y a rouleau 4, mais je dois faire un peu sur mon tel. Ok, c'est bon, j'ai pas besoin de redémarrer le jeu. Enfin, le jeu a pas crash. Ah là là, se battre pour des médailles, c'est putain. Moi je veux juste casser les rêves des japonais, moi c'est tout. Pourquoi ils veulent pas faire pourquoi ils veulent pas mettre les récompenses de Wei dans toutes les GA là, les tickets dorés. On me bat sur toutes les GA. Tu donnes juste des RB si t'as pas envie de trucs Sei ou de trucs Uken. Genre les trucs Uken, mais j'en ai rien à foutre. Hein. À la rigueur Sei, ça peut être sympa, mais Uken. Ouais, genre un truc où t'échanges, ouais. Genre tu peux échanger ce que tu veux contre un autre truc, une EPLG, une connerie. Ou alors faudrait un principe d'échange. Moi je donne des tickets à un collègue et lui il me file les médailles Sei. Bah ça serait grave l'abus parce qu'on ferait grave des secondes. Plan, tu vois. Des coups secondaires là. Waouh, les arnaqueurs. Ah, voilà. On va racketter des japonais là. C'est ça. Hein. Mais il était bloqué dans la falaise. Non, ouais, je sais pas. En fait, le problème avec ça, c'est que les Japonais, par exemple, ils ont un super gros compte premier, mais il est pas parfait. Et ben, ils vont donner toutes les meilleures ressources sur leur double compte. C'est ça. C'est sûr qu'ils vont le faire. Mais qui ferait pas ça? Bah oui, moi je le ferais. Ça me l'air logique de faire ça, je pense. Ah, ouais, il est en x0. Comment ça, x0? Elle est lente, ouais, non? Il est lent, ouais. Ok. Je pensais qu'il était un minimum rapide, le perso, mais il est trop lent. Ben ouais. Putain de vache. Bon, allez, vas-y, on va faire chier une mission spéciale. Moi aussi, j'ai besoin de tickets dorés. Putain, j'ai aucune mission Chine, mais c'est marrant. Pas de tickets, rien. Ouais, moi aussi, là, j'ai rien. En plus, elle a deux tickets dorés là, c'est trop. Bah, c'est ça. En plus, c'est gratos. Il rentre dedans, ça prend 2 secondes. Ouais. Et non, mais Roy, il est trop lent. Ou c'est ton jeu qui lag? Non, c'est le jeu qui lag, je pense. Roy, quel ancien. Hein. Ouais. Ok, c'est ton jeu qui lag en fait. C'est pour ça que t'es aussi lent, pro. Merde. Ah, la Pooper, il est énervé.
J'ai mis le Ryuzu sur beaucoup, ne sont pas exprès au lieu de mettre la charge. Et après, ça se moque de Pro. Voilà. Pro, il aurait jamais fait cette erreur. Un peu de sérieux, oui, Wipe. Hein. T'es le prochain protagoniste, n'oublie pas. Par contre, Footies, vraiment, je sais pas si vous avez remarqué, mais vu qu'il sait que la team Kanki Army va redevenir OP depuis quelques semaines. Il se fout de la gueule de tout le monde, il suit pas les conversations, il envoie juste un émoticône où il se fout de la gueule de quelqu'un. Mais il joue même pas, gars, qu'est-ce que tu veux? Il va tomber sur un rouleau, il sait même pas quoi faire. Le mec, il va arriver, il va falloir avoir des gemmes, il aura rien, il pourra rien, il s'y fait chier. Ah, ça me fume quand il se fout de la gueule de tout le monde. Il va arriver, même moi qui joue pas la Kanki Army, je pourrais plus investir que lui. C'est vrai que Duke, il aura Day One à Zenou. Hein. Et en plus, je pourrais le payer un max Day One. Je suis même pas sûr que. Il puisse. Tu sais, il a assez. Il a il même a pas 8 P1. Il a pas 8 points, je crois, le personnage. Et si qui font ces unités, elles vont juste pas tenir sur le terrain, c'est tout. Oula. Tu m'as l'air un peu hostile, du coup, envers Footy, ce qui s'est passé. Ah, faut qu'il farme un peu. Il y a une backstory qu'on connaîtrait pas. C'est son rival. Bien. Le rival, mais c'est le rival qui sort de nulle part. Il ne connaît pas. Duke, c'est un patriote. C'est un patriote, c'est lui. Tu joues kill ou tu la quittes. Voilà. Footies, c'est le moins à plaindre niveau patriotisme. Footies, sa team, elle est devenue nulle et il a arrêté le jeu. Quoi. Oui, il joue. C'est juste que. Non, il joue. Hein. Non. Il joue que son maximum, c'est top 30. Footies, c'est pas ça. Footies, sa team est devenue forte avec Kanki. J'ai monté Kanki pour lui, il s'est barré avant. C'est-à-dire que quand sa team est forte, il quitte le jeu. Donc il n'y a même pas de corrélation. Non, c'est pas ça. En fait, du coup, il croit que Footies ne joue pas. Mais en fait, Footies, il joue, c'est juste qu'il n'arrive pas à dépasser le top 30. Ah, il a du mal. Il y a une mission spéciale, tout. Oui, il y a toujours eu ça. Bon, ça fait 2 ans, mais bon. Vas-y, joue au jeu, quoi. Je l'ai jamais vu. En plus, il se voit ta gueule. Tiens, d'ailleurs, rappelle-moi, ça donne combien de tickets, la mission tout. 3. Et elle dure 2 secondes, parce que tout, il est devant toi, en fait. Genre, du coup, tu le rentres dedans, ta gueule. Elle dure 2 secondes, si il fuit pas très vite, mais vu qu'on nous, on a des bons leads. Mais putain, temps, il court et il se barre. Hein. Bon, voilà. Non, ce qui était chiant, c'est la rivière. Eh, par contre, Raton, ta strat, elle est incroyable. Hein. Laquelle? Tu sais, tu m'as dit, fais une team rapide, tu mets juste un seul coureur, donc j'ai mis Shiaku. Oui. J'ai mis 2 supports terrain, Ryu et Gome, et j'ai même pas mis de sub sous Ryu et Gome pour que ça, le jeu aille plus vite. Oui, en fait, il faut mettre le moins de persos possible, et si possible, il faut mettre des archers qui peuvent tirer, enfin des cavaliers archers. Ça va super vite. Moi, j'ai que ça, hein. J'ai SSK, KN, je vais tout droit. Ah, j'ai que ça moi aussi. Hein. J'ai enlevé les subs parce qu'en fait, les subs, ça donnait des boosts en début de game et ouais. Du coup, ça fait ralentir la game. Exactement. Et en fait, tu mets des subs qui servent à rien, genre des subs de vitesse et tout, à la con. Et tout droit. Incroyable. Tiens, là, messieurs, avec Biki, ils vont tous dans l'eau, putain, en mode auto. Ouais, faut la faire en semi-auto celle-là. Ouais, mais tu peux faire semi-auto que après le premier tour. Ok, ouais. Je suis au siège. T'es au siège R4? Ouais. J'ai le boost. Et moi aussi. Moi aussi. Weeper est devant, mais. Chou devant, comme d'hab. Comme d'hab, ça, y a pas de problème niveau rapidité. Les deux frères. Ah, mais moi, je me rapproche un peu plus de vous. Je suis Rodin. Je m'améliore. Mais c'est grâce à toi, Rado. Ah ouais, et dis-toi, bien sûr que si t'enlèves un ou deux persos encore, ça va encore plus vite. Genre, tu mets pas de perso ami. J'ai pas mis de perso ami, faut aller vite. Ah bah c'est bon, voilà. Dis-toi que par rapport à Pro, on n'a pas bien paramétré, du coup, nous, notre mode auto, il s'arrête. Pareil, moi ici, ça s'arrête. Sur des missions à la con. Mais il skip, c'est pour ça que j'ai le R15 je l'ai fait en manuel, parce qu'il me skippait les missions spéciales.
Après, vous dites ça, mais bon, moi j'arrive toujours à être plus lent, je sais pas pourquoi. Donc, Ah, mais du coup, tu peux pas boost pour le siège. C'est les animations, je pense. Non, ouais, tu peux pas. C'est l'inconvénient, ça. C'est pour ça qu'il faut stopper le mode auto et après tu boostes. Et on est d'accord que quand vous avez commencé le siège final, vos persos ne bougent pas le premier tour. J'ai si pas commencé le siège final en auto. Ouais, ils bougent pas, ils sont restés au spawn. Hein. Chelou. Bah, ils bougent direct. Okay, alors, non, bah non, parce qu'en fait, ça te stoppe ton mode auto. Non, non. Moi aussi, quand j'ai pas le mode auto qui est activé, en fait, dès que t'es au siège, ça te le stoppe et du coup, tes persos bougent pas. Est-ce que c'est la bonne team ? C'est la bonne team. Oh, vu que j'ai pas boost, je tue personne, ni chimie, ni personne. Ouais, non, bah tout droit si tu boostes pas. Hein. Ouais, ouais, je vais dire sur la porte. Je m'en fous. Ok, finito. Finito, pipo. Faudrait que je record la mission 4, si j'ai pas la flemme. Ah, et du coup, là, ça va me lancer la mission 1 du rouleau 5 en auto. Va falloir annuler. Ah, la merde. C'est pour ça qu'il faut stopper. Dès que t'arrives au rouleau 4, tu stoppes. T'appuies sur le bouton bleu à toute vitesse, ouais. Ça ouais, t'appuies sur le bouton bleu direct. Okay. Oui, c'est in-game, c'est in-game. C'est ça qui est chiant. Ouais. Tac. Quoi ? Ok, c'est bon. Pas grave, je relance la mission, tant pis. Oh, 595, le perso ami. Ouais, le chi, il est incroyable. Alors, on va tester mon thème parce que le connard, il s'est barré. Tes persos toujours, il y a un problème avec tes persos... J'ai pas compris, il a spawn, il est allé vers Kanmei et j'ai arrêté de le regarder, juste il et là il allait plus vers Kanmei, il est parti autre part. Viper joue pas au même jeu. J'ai one shot de siège avec l'aspect de Anoki. Bah tu vois, t'as bon, encore heureux. Mission de la mission 4. Encore heureux, encore heureux. Anoki. Ah bah il est surpuissant Anoki. Hein. Un monstre. Allez, on est parti sur les vrais beaux. Eh vas-y, bah, tu m'as tellement vite que je tue Shin sans faire exprès. Oh dommage, tu joues pas les points. Ah non, c'est bon. Je cours. J'ai one shoot au Mouten. Gamebo, il a one shoot au Mouten. Eh oui. Eh oui, pro, va dormir. Ça va, ça va. Kito. C'est bon. Ok, la mission 1, parfaite. Et tu sais, je suis en train de penser à un truc, mais c'est pas mieux pour vous, les deux choux là, de jouer Riel ouais. Avec le mode auto sur les premières missions du rouleau 5 Non, parce qu'en fait, SSK il donne des flèches à tout le monde. Et en fait, si tu joues SSK, bah, tu joues un KN ou un Kuyu qui va super vite, tu lui mets un archer en sub et il tire de super loin. Et SSK donne beaucoup de vitesse aussi. Même pour le rouleau 5 Je joue pas le rouleau 5. Hein. Bah moi par exemple là je suis en train de jouer avec SSK Lead, je one shot tous les généraux du rouleau 5. Genre Kanmei il les one shot tous. Ok donc pas besoin du mode auto. Non non pas besoin vraiment c'est
Azir, donc rends-toi. Donc, en lui, mais pas trop, quoi. Ok. Ok. C'était bizarre, mais j'ai réussi. Non mais là, ça sert à rien, vous êtes déjà mission 14. J'aime pas pourquoi oui. Je joue. Comment tu sais? Non mais je joue pour t'entraîner. Je savais que Kin c'était nul à chier. Alors. On a dit. Toi. Là. Toi. Là. Tout le reste au milieu. Évidemment pas de mission Usen. Pareil. Bizarre. Les Japonais par contre ils en ont déjà trop. Ah chelou ça. Il hein. Y a comme si un dev est en train d'avantager les Japs. J'ai ça je dirais. Hein. C'est bizarre. Oh non, Okiki ignore mon Mokun. Bon bah Orkam a encore menti. Oui Il est trop fort, c'est du pipi de chat, il one-shot les boucliers. Bah ça one-shot personne là pour l'instant. Mais t'as même pas encore tué Iki que... Bah Kanoki il a déjà tué tout le monde donc ouais. C'est bon, c'est parfait. Bah non tu m'as dit mon but c'est de passer au milieu de la forêt mais du coup je passe pas du tout au milieu de la forêt là. Mais ils vont venir t'inquiète pas. Oh là 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 là, vraiment. Bah alors, on t'entend moins. Qu'est-ce qui se passe? Bah alors, il one-shot tout le monde, là, c'est moi, là. Mais il one-shot personne, gars, il a mis trop de temps. Le plan, c'était, tu m'as dit, c'est tout droit. Non, le plan, c'est que Shin et Kyokai viennent sur toi, sur le groupe du milieu. Ah bah du coup, c'est pas, il y a que Kyokai qui est venu, parce que Shin, il est allé sur l'autre. Hein. Je sais pas. Shin est trop lent. Après, je t'avais proposé un 1-3-2, hein. Bah, tu m'as dit un 4-1, ça marche sur toi, donc moi, je voulais faire comme toi. Mon but c'est de te dépasser, ouais. C'est pas de faire moins bien. Bah Ruyan il est où Shin déjà? Il est mort. Bah c'est bon, tout le monde est mort. Bah oui. Bah la game est parfaite, t'as fait un truc parfait. Non, il est trop long. Bah de toute façon je sais que je vais mourir sur Shoekun parce qu'il donne 4 milliards de résistance à Bidule. Parce que du coup, sur son lead LG de Shoekun, il donne la résistance à tous les alliés et aussi à lui-même. Donc il donne beaucoup trop déjà. T'as même pas tué Oki, putain, j'ai fait de la merde, j'ai raté. Tout le monde à droite. Ah, on combien Oki? RW Oki à gauche. Je crois que c'est 10 000, comme ça, si t'es en x2. Il a spawn à genre collé à mon Rengokun à côté, il a ignoré, il est parti, je l'ai pas. Ouais, faut garder une strat de bouclier à chaque fois que dès qu'il spawn, tu le démontes. Tu parles de qui là? Le Ryudu en plus. Tu parles de qui, Wipa? C'est Oki, enfin, mission 3. Qui l'a mission 3? Ah oui, il spawn en bas. Il spawn en bas là, mon Rimukun il était plus là côté. Mission spéciale, vous êtes. Oh là, ça triche, bien sûr, c'est un Wake qui est en premier. Tant que c'est pas un Jap, moi je m'en bats les couilles. Si un mec français est là, ça me va aussi. On laisse pas que les tomber. N'oublions pas que les Japonais, on a vu leur vrai visage. Hein. Ouais, et c'était bien heureux là quand ils sont arrivés top 1 là. Bien heureux. Hein. Ok. Vous entendez mon ventilo ou pas? Non. Non. Mais comment ça fait un ventilo là? Pour refroidir mon deuxième tel. Ah, ça revient merde, il fait ultra froid. Il
comprends pas pourquoi. Pourquoi. Comment ça s'appelle ? Conky ne bouge pas, ne fuit pas dans la forêt dans la mission spéciale. Est-ce que je fais un truc spécial ? Fuck. Pourquoi Kusui elle double SP pas ? Ah non, je l'ai pas mis. Non, fais gaffe, des fois c'est Rinbukun en fait qui SP et c'est pas Kusui. Oui, oui, je sais, non mais là, avant elle a pas voulu SP. Ok, hein. C'est celui qui tue Conky qui chope ça. Mais t'as pas de race ? À quel moment t'as cru que j'allais pas te tuer ? Oula, c'est trop rapide, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Et voilà, qui c'est qui ralentit, c'est Shiaku. Putain, Shiaku qui est incapable de tuer Shuaikun tout seul. Voilà, il suffit que je dise ça pour qu'il meure. Mais c'est de la merde un peu, hein. Bon, t'en as où Orca là? Bah là, je suis en train de tuer Usain, ça voulait mort. Ok. J'ai pas une mission Usain, ça m'en ouf. J'ai une mission 5 là. Moi aussi, je suis mission 5. Par le haut. Il y a la mission. Ouf, vaut beaucoup. Quasiment une shot. Ah, je suis à mission 4. Ouki vaut toujours beaucoup de points. Par du principe, faut le tuer direct. C'est vrai. Ah, c'est chiant ça aussi, regarde là, il me dit 8 secondes pour le truc, je suis obligé d'attendre les 8 secondes, sinon ça va pas compter. Ouais, les gouttes, ouais. Les gouttes. En fait, oh, si, ça va te compter pour la mission. Mais pas pour si t'as une mission ou celle. Je vais faire ma strat, rapidement. La mission 4. Vas-y. Tour de siège direct. Ouais. Mais fais gaffe à pas démonter le mur trop vite parce que sinon je suis Ekun. Ouais, je sais. Je sais, je sais. Mais bon, faut bien prendre elle, ça à un moment donné. Hein. Ça suffit de jouer petit bit. Exactement. Faut être un homme un peu. Moi je pense que ça c'est ok. Ah, il faut prendre le drapeau du milieu pour le. Sur le ciel. Ouais. Et après, faut démonter les murailles. Enfin, les tanks. Et c'est l'aspect, ce con ? Qui ? Mouki ? Anoki. Bah, il a pas une. Non, pas Anoki, pas Anoki. Kayoku. Ah, j'ai aucune idée. Mais bon, Mouki. Et c'est l'aspect, du coup. Peut-être sur, sur sa propre aspect, peut-être, ouais. Je pense que c'est le cas, ouais. Rip. Elle a une mission au sein, SVP, s'il vous plaît, les gars. Putain, toujours pas de mission au sein. Mais oh, laissez-moi jouer là. Et je vais arriver au siège, j'aurai rien du tout. Oh, le carnage. Appelez-moi Terminator. Ouais, d'accord. C'est moi, il est heureux. Il a enfin découvert le potentiel de son personnage. Par contre, maintenant, c'est lui qui est dans la traîne. Ah putain, peut-être j'aurais peut-être dû record de l'émission 4. Parce que j'ai fait un truc de dingue. Hein. Ah ouais ? Ouais. Mais non. J'ai lancé un autre tour, je suis pas exprès. Ah là. En fait, il y avait le bouton et je me suis dit. Je me suis dit, mais merde, mais pourquoi il y a tout le temps le bouton, faut que je désactive. J'ai à peine appuyé dessus, ça m'a tout lancé d'un coup. Oh, oh les dégâts. Oh là là. Merveilleux tout ça. Ok, donc vous mettez la suffit tout seul à tuer. Donc il va me lancer en 20 secondes. La Weeper se bat contre ces vieux démons. Ouais. Il se bat contre les démons de pro. J'ai pas de démons. Le seul démon qu'il y a, c'est Anoki. Oh là là !
Mais quel homme ? Tu sais que j'ai commencé le siège bien après toi, pour, et on a fini en même temps. Mais tu sais que c'est pas possible, parce que genre, je viens à peine de rentrer dans la mission. T'as commencé le siège bien avant moi, tu veux dire ? Non, non, non. J'ai commencé après toi. De toute façon, tu pourras le voir dans le log. C'est écrit qui rentre en premier. Bah, on regardera, mais... Vraiment, genre, juste, je viens de rentrer, quoi. Donc, il y a d'avoir un petit truc que t'as mal fait. Je vais référer à ça tout à l'heure. Je t'assure, j'ai rien mal fait du tout. Ou alors, c'était la limite du potentiel de ta team. Hein. C'est possible aussi. C'est la limite. En fait, le truc que j'ai mal fait, c'est que j'ai envoyé Shiaku. Et j'ai cru que Shiaku, il pouvait tuer Kayoku vite. C'est pas le cas. C'est le truc que j'ai mal fait. Il y a un tout petit peu tanky quand même, ce Kayoku, je trouve. Ouais, Kayoku, il tanque un peu. La mission 5, j'en vois toujours 2-3 unités sur outil parce que c'est celui vraiment qui tente le plus. Hein. Ouais, et il rapporte beaucoup trop de points. Tu m'étonnes. Ah ouais, il tanque de ouf. Hein. Ouais. Ouais, il n'y a rien à voir avec les autres clubs. Pourquoi j'ai l'impression que ça va pas du tout être le cas? Après, tant mieux, hein, s'il ne tanque pas. Si tu as peur de défendre complètement. Il fait sa spé en premier, attends. Ah putain, je vais te faire la spé en premier. Je pense qu'Uki tank pas et que c'est le plus l'inverse. Bah déjà il se fait défoncer par Watt et Giordo, donc à partir de là... Non mais dans tous les cas tout le monde se fait défoncer, mais c'est celui qui tank le plus. Oh voilà. Vous faites quoi les gars? Non mais Shiaku s'il te plaît, j'ai fait un trait sur Q là, tu peux pas faire ça? Non gars, j'ai fait un trait sur Q, il a esquivé. Attends mais pro, tu trouves notre gueule. T'as dit que Watt et Giordo se le faisait, j'ai vu ils sont 4 sur Uki. Ouais, si tu meurs mission spé, t'as 0 points et en fait tu vas recommencer. Et en fait, quand t'auras recommencé, t'auras les généraux à tuer et là tu gagneras les points. T'as envoyé 4 personnes sur un qui. Ok, donc là je vais faire la mission 6 et j'ai plus de boost, donc il faut pas que j'ai une mission Usain là. Allez, la mission Usain, juste pour te chercher. J'ai mission Usain pile. Bah, en vrai, tu veux pas de mission Usain voilà. De base. Donc... Raton pile quand t'as dit ça là, j'ai une mission Usain alors que j'ai plus de boost. Ah non. Ah non, ça c'est le pire truc. Moi j'ai transpiré, j'étais en mode putain, il y a 2 minutes de mission là. Pas de mission Usain, s'il vous plaît, pas de mission Usain. En vrai, ce qui est con, c'est qu'ils mettent pas le chrono à droite ou à gauche, tu vois, genre en mode il te reste tant de minutes, histoire donc, de dire, moi, je recommence. Tu le fais uniquement juste avant de lancer la mission. Ouais, mais c'est tu cool, vaut mieux, mieux qu'ils te le mettent dans un coin, histoire que tu puisses relancer si t'es dans la merde. Tu veux dire in-game? Ouais, in-game. Comme ouais, ça, ouais, moi, ouais, si tu vois, t'as passé 3 minutes, recommence. Je suis d'accord. Au cas où. Qu'est-ce qu'il fait, ce Sgeg, là? Va chercher. Kanki. Si t'appuies sur pause, tu vois le temps? Non, même pas. Même pas. C'est vraiment de la merde ce truc. Ouais, c'est trop dommage. Ok. Qui c'est qui joue Koshu chez vous? C'est celui d'en haut ou celui d'en bas? J'ai rien compris. Oh ta merde. Qui c'est qui joue Koshu? C'est celui qui va dessus. Il vient d'insulter la daronne de ses persos là. Et mais comment ça, celui qui va en haut ou celui qui va en bas? J'ai rien compris. Ouais, je comprends pas ce qu'il raconte. C'est pro quoi. Ok, mission spéciale finie, je suis dégoûté. Voilà. Oh putain, j'arrive pas à passer ça. On
Putain, tu m'as dit que Shi il était fort, c'est pas vrai? Mais Shi il est surpuissant, qu'est-ce que tu me parles? Oui, Shi contre les boucliers, nanana. Bah oui, Shi contre les boucliers, il est devenu puissant. Bah mec, non. Bon, on l'utilise tous. Mais vous l'utilisez tous parce que vous n'avez pas Anoki. Je suis sûr d'ailleurs que personne joue Anoki là. Bah non. Si, moi. Ah ouais? C'est mytho. Bah écoute, comme vous voulez. Hein. Moi, je vais pas vous forcer à perdre. Non, 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 non. Je vais devoir arrêter la mission. Ok. Pas de mission scène, pas de mission scène, pas de mission scène, s'il vous plaît. Ok. En vrai, des fois, je flippe pour rien, en fait. Putain, 3 unités sur Koshu. Mais Koshu, il était en train de crever avant que lui... Lui, il se fait one-shot, ouais, en fait. Je vais baisser le son de pro, là. Il a 50 milliards de pourcents dans mes oreilles. My bad, mais... Koshu, il a pas fait le crever. Là, c'est une erreur, mais... J'ai pas eu foi en ma team. J'ai trop eu foi en Anoki et Shi qui allaient one-shot bidule et Koshu... T'as pas eu foi en lame des cartes. Ah non, non, non. Moi, perso, sur ce clodo de Koshu. Oh, putain. Et c'était pas suffisant. Alors c'est quoi la stratégie? Tout le monde à gauche, tout le monde à droite, allez go. Système de stratégie, je l'aime bien ce que j'ai fait. Je suis fier de moi. Au moins si j'oublie les trucs, je me rappelle qu'est-ce que je dois faire. Sachant que qu'est-ce que je dois faire, c'est même pas français. Hop. C'est bien, au moins tu t'en rends compte. C'est bon, on est pas à sa prête. Voilà, c'est la mission où je suis censé me faire one shot. Hein. Bon, bah c'est de la merde, voilà. Y'a rien à dire. J'ai fait une spédanoki, il a disparu. Wow, non, c'est connard. Ouais, il tank un peu. Ouais. Mission 7 ? Ouais. Ouais, il tank un peu, c'est quoi. Non, mais Shi, espèce de connard. Il est où, Mouten ? Ah non, mais c'est une dinguerie de faire ça. Quand ils sont... Les mecs sont vraiment collés, c'est pas équivoque, c'est pas... Y a rien, y a pas de quiproquo, les mecs ils passent quand même à travers. Mais c'est deux mots que je comprends pas, équivoque, quiproquo. Ouais, en gros, y a Shi, il est parfaitement face à Duke, et Duke il passe à travers Shi, il va directement sur... Ok. Là, y a une dinguerie. Ok, y a double dinguerie là qui se passe là. Pas comme je le voudrais. Comment je peux gérer ça, Mouten? Non, mais un truc comme ça. Personne ne peut pas speed, il peut rien faire. Un truc comme ça. Ok. Oh, j'ai lancé tellement de spé là. Là, j'ai créé 3 fronts sans faire exprès. Oh, c'était chaud, sa race. Hein. Ok, mais Mobo, il est nul. Il y a littéralement toute la map, il est où, il a disparu. Il se barre hein, parfois, hein. Fais gaffe. Hein. Bah attends, mais c'est Mouten le boss de ce truc là. Pourquoi Mouten il a l'air tanky? Allez hop, finito la mission 7. On va aller démonter Kalki là. Moi j'ai peur que là, s'il est random, je laisse pas. S'il est tué, en fait, ils vont l'ignorer, aller sur SSK et je serai dans la merde. Oui, si ton SSK tank pas, s'il a pas de Jutsu, il va pas tanker. Vraiment. Il s'est bien fait casser la gueule par Duke en plus, donc là il a plus de vie. Ok. Ah, s'il y avait une bestiole. Ok, go. Anoki, go. Et toi, go aussi. Donc là on a gagné logiquement. Il y a vraiment toute la map qui est venue, hein. Genre là le chemin sur. J'ai tué tout le monde sauf Shoyukun. Putain. En vrai, cette mission elle est casse-couille. Ils tankent pas, mais ils sont quand même résistants. Juste assez pour que ça me fasse chier. Allez, le Kanki. Rien ou scène, je suis pas boosté. En plus, je suis pas boosté.
Oh la résistance qu'il a. J'ai fait 0 dégâts. Ah bah si, par les Yann du coup. Parce que s'il a de l'anti-Ai et Zao, mais enfin Ai et... Mais pas Yann. Vous en êtes où vous? Mission Kanki. Putain. C'est trop fort les gars. Mission. J'ai eu aucune mission Wusen. Donc ça veut dire que non seulement je vous ai pas rattrapé, mais en plus, vous avez plus de points que moi. Tant que tu améliores les missions qui te posent problème, c'est tout ce qui compte. Bah, le problème, c'est que j'ai l'impression que les missions qui me posent problème, c'est les missions du rouleau 1 ou le rouleau 4. J'ai l'impression que c'est elles les missions qui me posent problème. Ok, mission 8 du coup. Y'a pas un Chine pas loin? Tu la merde la mission Kanki, je suis en train de lui rentrer dedans comme dans du beurre. Je suis en train de one shot tout le monde, c'est un bordel. C'est pas l'alerte, elle a toujours été nulle. Non mais oui mais là c'est un. Non non, souviens-toi que des fois il mourait sur Ten. Je one shot tout le monde. C'est trop. Oui putain, j'avais oublié cet épisode. Comment oublier cet épisode genre sur Ten? Eh, hey, oublie pas le petit que tu frappes, il va revenir après. Il va te agréer un jour. Le petit tagar. Voilà, il va venir à la fin. Pourquoi c'est lui qui a pas pris la. Toute ma team a pris confusion sauf Gekishin, le mec qui n'a pas besoin de. D'être confus quoi. Il se fait enculer Kanki, c'est un bordel, hein. Vraiment. Il a le temps de rien faire le pot. Attends, mais du coup, Kyoka, elle est où, là? Et Kanki, il est où, surtout? Ouais, faut anti-heal avant de le tuer, parce que sinon, il fait quasiment ouais, mais... Bon, il gagne pas assez de moins, là. Ah, ça, c'est chiant. Attends, mais j'ai perdu Kanki, là. Oh, putain, le Hussein, il a... Le Hussein a une mission spéciale. À la seconde où il a eu un HP, il y a mon Kanmei qui a se fait... Du coup, on a perdu du temps. Aïe, 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 aïe. Le roi. Super mission spéciale, Zusen, t'as les points de ce que t'as tué quand tu. Quand t'as la... une autre mission spéciale, c'est la même que tu viens d'entamer. Ouais. J'ai perdu Kanki. Je sais pas du tout où il est. Kishi, il a pas la vision dans la forêt? Bah en fait il donne la vision dans la forêt au personnage dans le jeu, mais pas à moi. Putain, il vient de fuir là. Pourquoi il te la donne pas à toi? Parce que ça... Non mais ça donne pas ça donne détection dans la forêt, ça donne jamais vision. Après, si tu fais un effort, tu vois les unités dans la forêt. Mais... Ouais, fais un peu. Ouais, ouais, my bad. Ouais, tiens. Ouais. Pas favorable. Voilà, bon, crever, 9, Kyoen sur Shogun Tour, ouais, c'est classique. La classique. Je booste, hein, j'espère que j'ai boost. C'est Kanki ouais. Ça? C'est pas Kanki. Ouais, mais en fait, Kanki il est chiant juste parce qu'il est trop long, il faut le chase et tout. Vous êtes pas sérieux, bande de noobs? Ça devait être un super général à l'époque, il devait insulter tous ses soldats. Mais non, mais gars, toi, t'aurais fait une mutinerie day one, hein, vraiment. Il y a mon lead, il est en train de se prendre Bagdad, alors que c'est même pas vrai. Hein. Mais il est agressé par le méchant ennemi et personne veut le tuer. Le méchant ennemi, putain, en plus, je l'ai one shot avec une spé là. Tout ah, mais d'accord, 2, 3, 4 persos peuvent être piégés dans le même piège. Ouais, c'est 4 ouais. Aussi. C'est jusqu'à 4. Et après, si tu mets un cinquième, ça casse le piège. J'ai jamais vu ça. Là, faut y aller pour foutre tes 5 persos dans le piège. Quand même. Ouais, c'est ça. Bah, si t'en as 2, t'es en mode, bah, tu mets les 3 autres, comme ça les libère, tu vois. On joue pas tous Wei ou Rui ou ce genre de truc. Ou Akusui ou. C'est ah bizarre. Ouais, Karyoten. Je donne que les trucs OP, c'est bizarre. Ça.
Ah, mais si tu fais qu'un hôtel, le piège est toujours actif. Non. Ah ouais? Enfin, techniquement. Ah, la salope, elle s'enfuit. Qui? Coucou. Ah bah oui. Il était en train de la taper avec Xi, en même temps que tu tapais Kanki, elle s'enfuit. Je sais pas où elle est là. Elle se barre pas à côté de Kanki dans la forêt? Non, elle sait pas, je sais pas, elle était allée vers moi, elle a disparu. Ah, oh, je peux pas se faire. Le seum. Bon, de toute façon, j'ai foiré, donc hop. Ah, oh, j'ai moral moins, non. Je relance juste pour elle, là, ça fait chier. Je me suis fait avoir. Je me suis fait eu. T'es fait eu. En fait, je me suis dit, je vais faire. Je vais envoyer Chi à droite. Il fallait aller à gauche. Ah, non, c'est ça, je vais envoyer Chi à gauche, comme ça, il se prend le piège avec. Avec l'autre parce qu'ils sont fous. Sauf qu'il peut pas se payer dès le début parce que ça réduit le moral en fait. Putain, ce connard. Du coup, je suis en train de crever. Wategi aussi d'ailleurs. Le piège. Hein. C'est-à-dire, si vous voulez recommencer, il dure 10 ans du coup. Il reste combien? 3 minutes, c'est tout. Ouais, j'aurai jamais le temps. On recommence, hein. On recommence. Genre, essaie de tuer un max de trucs et recommence. Genre, t'attends à 59. Mais... Allez, le chargement qui sur 20 secondes là. Ah, ça va peut-être pas du space ici. Ok, bah Wategi est mort, comme prévu, entre guillemets. T'as marré de se faire biquer, tu fais ralentir la game. Oh, il se retourne ce chien. Je sais pas pourquoi, mais quand ils ciblent Biki, les soldats, ils veulent faire le tour. Oui, je sais pas. Ça fait ça qu'avec Biki, je sais pas pourquoi. Pourquoi toute ma team est nulle à chier là? Bon, dans 30 secondes, il va falloir relancer là. Non, c'est 58. Ouais, 58-30 là. On a encore une minute 30. Ouais, mais en gros, pour relancer d'ici 30 secondes, histoire de pas perdre. Moi, j'aimerais juste tuer Biki là, tu sais. Je peux rien faire. Ma team est bloquée par les putains de cavaliers là. J'ai l'impression qu'il y a que Anoki qui fait du dégât et. Oh yes, j'ai réussi à passer. J'arrive même pas à aller avec. Combien de secondes, s'il vous plaît? Tu veux qui? Oh, il est 59. Une minute pile. Une minute pile. Ok. Il reste combien de secondes? Ça c'est 50 secondes, là j'ai le temps. Putain, il s'est retourné, j'avais pas vu. Bon, moi je vais mettre le chrono, c'est mieux. Ok, c'est bon, je relance. Non, tac. Non, je vais relancer moi. On va relance vite, hein. Allez, je lance ma mission 9. On est tous sur la mission 9, c'est cool ça. Il reste 30 secondes là. Yes. Relancez vite, 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 vite. 23 secondes, 22. C'est bon. J'ai lancé. 20. Lag pas, s'il te plaît, le jeu. 17, 16, 15, 14, 13, c'est bon. 12, 11. Hop, c'est bon, j'ai lancé. Merci. 10, 9, mais tu l'as lancé, moi. 10, 7, 10, 5, 4, 3, 2, 1, c'est fini. Est-ce que je ferais pas l'inverse, du coup? Bah, go prendre tout mon temps. Ah, mais je vais prendre tout mon temps. Je vais tuer toutes les unités. Je sais pas si elles donnent tous des flammes. Non, elles donnent pas toutes. Dommage. Mais je vais prendre tout mon time. Ah, je vais prendre tout mon time aussi. On va faire ça comme ça. Le seul risque, s'il y a une mission Usen derrière, là, zéro boost. Oh putain.
J'ai eu aucune mission au Sen pour le coup. Genre... Ah, j'en ai eu une, moi. Ah, pareil, une. Ah, si tu tues les deux généraux des deux côtés, y a pas de barrière. T'avais déjà tué les deux généraux? Bah là, en gros, j'ai tué les deux généraux des deux côtés, il n'a pas activé la barrière. Bah tiens, ça. En plus, je suis allé direct sur Eki, y a pas de soucis. C'est bon, ça va. Alors, donc, en toi. Ok, donc là, tu m'as dit qu'il y a une barrière, y a pas de barrière. Ouais, bah là, j'ai tué Biki et Shobunkun juste avant. Ah, le bon, allez, et... Je vous laisse. Bah... Bon... Tchuss. Bonne journée. Tchuss. Bonne fin de journée. À demain, bye. Ah oui, t'as besoin, y'a pas de barrière. Donc en vrai, bon plan de tuer les deux en même temps. Oui, de fou. De fou, de fou. Yes. Ça me rouvre les pièges. Ah putain, Ordo, il fait pas de dégâts. En fait, il fait pas de dégâts sur le mur parce que. Parce que ça se paie, c'est pas vraiment. L'arène, c'est genre au corps à corps. Par contre. Shobunkun, il tank de l'infini à droite, hein. Oh, il est passé? Ok, il est passé. Ok, il est passé. Go défoncer des trucs à droite. Allez, Wateg, on croit en toi. Je sais même pas si j'ai toujours le boost. Je sais pas si ça vaut le coup de tuer Mana ou de tuer toutes les unités. De quoi? Tu vas tuer toutes les unités sur le terrain? Non, parce qu'en fait, elles ont pas toute la flamme. Il y a que les GG qui ont la flamme sur celui-là. Yep. En fait, le boost aurait été intéressant si t'avais une Lucienne après, quoi. Ouais, mais au Beeper, nous, on avait vu qu'il y avait des unités qui donnaient des points sans avoir la flamme. Oui, oui, mais c'est pas pour Kin, c'est pourquoi. Ah. C'est que pourquoi Kin n'y a pas. Parce que Kin en vrai. Sinon on l'aurait vu. Allez, on va voir si une mission Usen. SVP, les gars. Il y a une mission Usen. Non, il n'y en a pas. Tant pis. Oh, les 51ème quand même, hein. Ça va. On va voir le classement là. Bon. Il y a Jam juste derrière moi. Il regarde mon dos. Ah, Jam, il rigole pas. Ah, Jam, là, il est en mode sérieux. Hein. Et, sauf qu'il sait pas contre qui il joue. Même Gettero, il le regarde mal maintenant, Jam. Il est en mode. Putain, c'est moi le chef. Jam, il va reprendre le pouvoir. Ça va être notre nouveau chef. Putain, c'est... Qui moi? Non. Je suis en train de... Elle va mourir incessamment sous peu. Si Shiaku il a tapé elle au lieu de l'ignorer d'un coup... et faire apparaître les murs, ce gros connard. Ok, Biki est morte. Oui. C'est souvent Shi qui fait ça, et en fait, je sais pas pourquoi, mais il veut pas la taper, donc il fait apparaître les murs. Mais surtout, il se retourne aussi des fois. Gros chien.
Comme ça, vous faites pas paraître les morts non plus. Qui mort, mais du coup j'ai les murs, si quand je relancerai ils y seront encore. Non, parce que moi je les avais, et en gros j'avais tué les deux, et du coup ils y étaient plus. Donc là si je tue, si je tue Shubunkun, ensuite Shubunkun et Biki, et après t'as pas de mur, parce qu'en fait c'est eux qui activent les murs. À mais... condition d'envoyer personne vers la zone voilà. Où il y a les murs ni spawn. Donc ils... mais là j'ai ouais, tué personne là. Donc c'est bon. Bah tue d'abord Shubunkun, et fais gaffe hein, s'il y a hors deux, genre parce que je les vois ils vont tuer l'archer là. Ordo et Wategi ils vont tuer l'archer, ils vont aller en arrière. Vraiment focus ouais. À fond là Shubunkun. Tu vas pas un temps de malade sinon. Bon, bah, de bah, toute façon en plus maintenant il est bloqué derrière la barrière, je suis à coup le con. Moi je veux juste un petit Wusen à la fin. Histoire de remonter parce que j'en ai pas eu. Oh, ok. Mais on ne pas dérangé, je reçois des notifs, c'est quoi cette merde là? Allez! T'as dû régler ton ne pas dérangé, non? Pourquoi Iki, elle est, il est à gauche touché, mais putain. J'ai encore passé, oh là, je vais passer tellement de temps juste pour cacher notifs, ça me casse les couilles. Ah, pas de mission, Hussein. Quel dommage. Pourquoi Iki, il est à gauche? C'est ma question. Mais tu sais qu'automatiquement, il va aller par là, hein. Il va te suivre. Attends, il y a un truc qu'on doit regarder, nous, Rato, en plus de la gamme de pro. On doit regarder s'il n'y a pas un petit enfoiré qui est déjà sur le siège. Un petit peu. Non, bah j'y suis, moi. Mais t'as lancé le siège? Non. Vas-y, calme. Il n'y a personne sur le siège. Sûr? C'est sûr et certain. Ok, donc demain, on va pouvoir tester notre strat pour finir le siège en une fois. Parce que là, concrètement, la différence de points entre Jam et moi, c'est une mission Hussein. Il y a des japonais qui tuent directement le commandant. C'est vrai. N'oublie pas, mets une stratégie sur Shirshi. Ça va l'enlever son truc. Ah bah c'est bon. Bon, la mission, là t'as gagné. Hein. C'est bon, t'es avec nous. Je suis pas sûr. Pro il est avec nous. Je suis pas sûr. Non, faut esquiver les pièges, là je vais me les prendre. Oui mais bon, les pièges vont pas te faire pendant 6 minutes. Il te reste 6 minutes. Le seul risque que tu peux avoir, c'est si tu tapes Seki en même temps que Sei. Par contre, le jeu est lag de ouf ou c'est moi là. Zyrdes, il a fait une mission spéciale, mais il avait pas boost. 34. Ouh putain, oh j'aime pas ça. Quoi? Il y a peut-être une personne sur le siège. What the fuck? C'est qui ça? Parce qu'en fait, il y a une mission. Il y a quelqu'un qui a fini la mission 9 avant nous, Raton. Ouais. Et genre de quelques secondes avant nous. Donc, enfin, je connais pas si c'est quelques minutes ou quelques secondes, mais il a fini avant nous. La mission 9. Ok. Donc ça veut dire que potentiellement. Après, je suis pas sûr qui. Les Japs, en vrai, ils arrivent pas à tuer quelqu'un. Le seul risque, c'est qu'il aille tuer Hussein, Mugu. Moi, je veux qu'il touche à rien. Il y a que lui, hein. Il y a que lui qui est avant nous. Je vais la rater. Oh, non. Enlève la spoto tout de suite. Mais Jam, il est deuxième de combien? Mais attends, mais je peux pas se mettre parce que si je paie là, je vais le tuer en fait. Non, mais c'est bon. En fait, enlève les spoto et t'inquiète, ils vont tuer Sei. Donc, on voit les logs. C'est sur la map. Deuxième ligne, premier. Ah, c'est vrai, j'ai essayé l'aspect avec Ordo, c'est drôle. La mission spéciale, boostée, elle donne combien? Boostée au début, première journée, c'est 70, je crois, à peu près. Ouais. Si tu boostes pas, c'est 20, 28, 27, comme ça. Par contre, il y a 31 000. Ouais, c'est parce que t'as pas boosté. Ouais, c'est x2, quoi. C'est 62 000. Et la celle d'avant, elle m'a donné combien? On a un petit problème, Raton. Parce que Jam, il est deuxième. T'as 10 cas de plus que lui. Mais il a pas fini l'épisode 9. Ah, mais c'est bon alors. Ah, mais c'est parce qu'il a dû avoir une Hussein. C'est ça, les deux, elles étaient pas boost. Ah oui, il a dû avoir deux Hussein. Bah oui. Oh, ouais. Je vais check.
C'est pas grave, c'est pas grave, moi je lui laisse. Moi tant qu'il n'y a pas le siège, c'est... le chat. Houssen, s'il vous plaît, j'en ai pas eu. Boost, hein. J'en ai pas eu. J'en aurais pas. Tant pis. Hein. Oh, t'es en quête ? Ouais. Ouais, mais j'ai vraiment eu aucun Houssen, c'est abusé. Attends, je vais voir parce que je suis sûr que le deuxième Houssen, genre c'était à les 20 secondes près que je pouvais l'avoir boost. Hein. C'est pour ça que je vois ta mission spéciale, Whipper. 31K. Ah, je suis rang 5. Ouais, ouais, les deux, j'ai eu 31K. Ouais, c'est terrible. Zion qui m'a battu. Ah oui, la mission 9, elle est incroyable. Hein. Elle est chiante, mais putain, qu'est-ce que tu gagnes ? Parce que regarde, alors attends. Ok, je vois jamais sur saison 13, ok. Non. Donc vous me dites, faut le faire en une fois le siège ? Oui, moi je vais le faire une fois. Faut tenter de le faire une fois. Oui. Parce que si tu le fais pas une fois, bah tu l'as raté. Parce que quelqu'un va le finir. Moi je pense que c'est possible, mais je suis pas sûr. Si, c'est possible. Anoki fait du dégât, mais 5 minutes quand même. Hein. T'inquiète. Sans prendre la tour. Par contre, là, si j'avais eu un Anoki Ami. Parce que là, je vois vraiment que Shiaku, comparé à Noki, il est un peu plus faible. Il a vraiment du mal sur certains trucs. Attends, on gagne des trucs comme ça, là ? Oui. Vraiment pas de race. Tu gagnes à mort des trucs, ça y est, quand t'es top 1. C'est pour ça, moi, je vous lâche pas le top 1. Il est à moi. Ah, Jam, il a gagné des points. Il a fini la mission 9. Regarde. Il est juste derrière moi à quelques milliers de points, là. Ouais. Regarde le top, il y a 10 000 même pas de points entre moi. J'ai même pas 400 toupies là. Il est derrière mon cul là. 10 000 points. Allez, Wiper, demain on les baise. Demain on vire Orca et Zion du top, ça te va? Ah bah, non, mais plus de boost, si j'avais eu les boosts, c'est combien? C'est 70 000? Hein. Ouais, tu l'aurais viré. Ben j'aurais 80 000 en plus là. J'aurais ouais. 480 000. Ben j'aurais été derrière, toi. Alors. Ou voire devant moi. Toi aussi t'en as eu deux, c'est ça? J'en ai eu qu'une. Ah, t'en as eu qu'une. Elle était pas boost. Si, elle était boost. Ah, c'est pour ça, putain, moi, elle était pas boost. Comment ça, Zoussen? 330, je suis à 390, il dit quoi, foot 6 encore? Ah, mais pro, tu m'as dépassé, j'avais même pas vu. Bah, j'ai fini la mission 9, donc ouais. Tu l'as fini? Ouais. Fais vite, on était en train de tuer les gars, en même temps. Bon, maintenant j'ai plus qu'à attendre 1000 ans, elle fait 6 gigas mon record. Pire record du monde. Je vais mettre 720p hein, parce que 1080p ça va pas. Je sais, mais pourquoi t'écris avec nos vocales hein? Non mais c'est pour Footy ce que j'écris. Footy de la fraude. Là. Par contre Zerdes, je suis déçu là. Tu nous as habitué à mieux. RIP s'il peut pas jouer mais. Zion qui fait juste la Jaquine, j'ai remarqué du coup. Parce que Zao il est pas, Kola il est pas là, il est juste là pour nous embêter sur Kin. Il peut pas jouer tout le temps je pense. Ouais je me doute aussi mais bon. Putain, je vois tellement du boost Zao à la place de Kin. Ah, ouais, c'est Galgé, hein. Moment d'avoir 30 Rainbow. Sans Rainbow, on y croit. Vas-y, les 100 RB. Pour l'instant, j'en ai un. Et vas-y, la Zerdes, là, tout le temps des 1000 d'orbes, là. Il veut pas donner un peu, là. Ah. C'est du jeune. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du classement, tu as dit? Jam, il est derrière mon cul. Oh, l'animation dorée. Bah, 10. Ah, bah. Ah, double animation dorée. À la suite. Et là, ça va être 10. Ah non, mais il y a un temps de latence. Je te souhaite pas. T'as alors. Gagné combien? Bah, pareil. En fait, il y a un truc. On va désherber. Attends, mais comment il est 467k, il a fait 2 ou 7 spéciales. Parce qu'il a peut-être pas boosté. Il y en a peut-être une qui l'a pas boosté.
Non, les deux il a boosté. Ah ouais, bah c'est qu'il il a pas tué des GG. Faut aller un peu plus vite, ok. Bah. En vrai, je pense que vu combien de temps ils mettent pour finir la mission 9, alors que toi et moi on l'a fini en 2 secondes. Ouais, en vrai, Je pense qu'on va mettre un écart avec Jam. J'ai trouvé le cheat code pour la démonter la mission 9, c'est incroyable. Ça va trop vite. C'est quoi? Ça va trop vite. Je peux pas la dire parce que sinon vous allez la refaire. Mais gars, on n'a pas tâché. Ah, moi, j'ai pas spécialement besoin vu que je fais ici. Il y a juste deux mecs qui font les DPS. Le reste, c'est que des soutiens terrain. Bah, le truc, c'est que moi, ça m'aide pas les soutiens terrain pour détruire les putains de barrières. Ah, mais ouais, mais le problème, c'est que regarde, toi. Tu dis ça en mode on peut se la refaire, mais on n'a pas tous Ryu, Jinou. Non, c'est pas qu'il y a pas que Ryu. Je donne pas. Je dis pas. Non, bah du coup c'est une team éclatante, c'est tu mets Ryu, tu mets Jinou sur le terrain, tu prends Kanmei, Rinbukun, Shi tape d'un côté, Kanmei, Rinbukun tape de l'autre, et après ils se rejoignent, ils vont se faire équipe et c'est tout. Que je fais déjà mais sans Ryu. En vrai, Viper, il aurait eu Ryu, il ferait top 1. Hein. Wipeout était 4ème. Non, j'étais 5ème et Pro il m'a viré. Ouais, désolé. Pro il a viré. Rends la place, Pro. De 1k, putain. Rends la place, Pro. Mais gars, rendez les Houssen d'abord là. Donnez-moi déjà, des Houssen que déjà, je vous gagne tous. Déjà demain, celui de vous deux qui arrive à prendre le plus de points sur la mission le siège final aura un petit avantage. Mais il n'y a pas de question à prendre le point. Moi je vais le one shot donc c'est bon. Ah bah ouais, il passe devant. Attends, mais pourquoi tu passes devant le siège Pro, vous allez tous être sur le même siège. Moi, quand j'arrive au siège, il sera tout neuf, je pense. Mais où t'en es où de la mission Houssen? T'en as déjà fait une? Non, la mission 9, j'ai. Non, mais. J'ai Biki, moi. Comment t'as genre autant de points que moi alors que. J'en ai fait deux. Oh, Pro Viper. Fait deux. Parce que c'est le protagoniste. T'as fait deux, Houssen? Voilà. Viper, c'est le même caractère, on t'a dit. Putain, parce que c'est le protagoniste, on t'a dit. Zéro Houssen, c'est quoi cette il merde? Il est même pas à 100% de son. C'est le pire, c'est qu'il est même pas à 100% du potentiel. Donnez-lui Ryu à Wiper. Donnez-lui Ryu à Wiper, tu vas voir. Raton sur la mission 3. C'est la, ouais. Oui, c'est la 3 où il y a. Ah, mais oui, en plus, j'ai raté Wookie. Attends, parce que là, Pro. Bah oui, t'as raté Wookie. Bah, tu serais devant. Ah, mais forcément, avec 14 000 missions Houssen, vous êtes devant. Tu joues SS Khalid. Je joue tout le temps SS Khalid, moi. Ouais, sauf les sièges, je joue Karen Lead. Parce que là, comparé aux autres missions, j'ai l'impression sur la 3, j'ai mis SS Khalid avec Yushiga, parce que normalement, là, maintenant, tout, j'ai regardé, il a eu le changement, donc ils ont tous annulation de dégâts. Et ouais. Pourtant, je galérais limite plus que quand j'avais Kanmei lead. Hein. Non, c'est parce qu'en fait, le truc, c'est que vu que t'as pas. Moi, j'ai Ryu et Jinou. C'est-à-dire que moi, ça compense le fait que SSK, il donne pas beaucoup de boost. Là où Kanmei il donne vraiment des boosts de zinzin. Il faut juste le problème, c'est juste une chips au début quoi. Ma team elle est capée là, je fais quoi? C'est pour ça que Jinou il est incroyable pour Kin parce qu'il donne des moins 30 à tout le monde dès le début. Hein. Par et contre. Comme du beurre. Là dans ma team, le seul qui est mort sur tous mes trucs, c'est Wategi en fait. Watemi qui meurt mission 9. Il est mort de quoi? De vieillesse. Ouais, techniquement, il est mort des cavaliers qui lui foncent dessus. Donc si je lui mets Yu, il survit, c'est pas le problème, mais le problème, c'est que c'est oh plus la team. Ordo, il a fait le café ou pas, gros? Pas sur la barrière, parce qu'en fait, la spé d'Ordo, c'est une spé, on va dire, qui tape à 10 mètres de lui, et quand il est collé à la barrière, il fait aucun dégât à la barrière. Et Yuki, il fait une spé derrière, qui fait du coup aucun dégât à la barrière aussi. C'est pas ça spécial, ouais. Du coup, Ordo, faut pas le mettre sur la barrière. Par contre, Anoki sur la barrière, il fait méga le taf, donc c'est ce que j'aurais dû faire dès le début. En fait, j'ai fait Shiaku à gauche, Anoki et tout le monde à droite. Ça n'a pas marché parce que du coup, Wategi est mort. Gekishin, beaucoup trop tanky alors qu'il n'est pas censé être tanky. Attends, t'as envoyé qui à gauche et qui à droite? Shiaku à gauche, tout le monde à droite. Ça, c'est une erreur déjà. Pourquoi? Parce que de Shobunkun et de Biki, il y a un seul perso qui se soigne à mort. Et c'est Biki. Non, mais gars. Un seller de soins du côté gauche. Le problème, c'est même pas c'est les soins. Moi, je te parle juste des barrières là. Shobukun, faut le tuer en premier parce qu'il booste la défense avec le temps. Ah ouais? Bah, c'est pas un skill terrain qu'il a? Si, c'est un skill terrain.
Ouais, mais attends, faut tuer vite. Je vous rappelle encore une fois, quand il y a un skill terrain et que le mec meurt, le skill terrain est toujours actif. Oui, non, mais il se stoppe en fait. Il y a plus de chrono. En fait, lui, c'est plus ça avance dans le temps, plus ça booste. Et en fait, il faut le tuer dès le début, tu recommences et tu y vas direct, c'est rapide. Toujours le même problème, les barrières. Bah, faut y focus. Les barrières, c'est pas un problème. Vous pouvez regarder sur mon replay hein, si vous voulez, regarder ensemble, mais ça marche pas. Faut spé en boucle. Tu fais que spé en boucle. Au bout d'un moment, tu vas les péter. T'as qu'à jouer QON et tu fais des lasers à travers la barrière. Bah, Shiaku fait ça. Hein. Shiaku, moi, j'arrive à toucher Shunbuku, non? Ah oui, mais rien à voir avec QON. Hein. QON, il est tué de loin. Ah oui. Mais bon, après, si tu veux jouer quelqu'un qui tank en même temps, on va me jouer Shi. Ah, pas besoin. Ouais. Bah, je pense que c'est ton tir. Personne hein, qui. Ouais. Qui les démonte. Ouais. Moi je peux pas faire ça pour une raison, c'est que il faut détruire les unités avant. Ouais. Oh, il faut que tu fasses un kill et comme ça t'as plus 100% contre kill et après tu vas sur général. De quoi? Avec Anoki. Anoki quand il tue un random, il a plus 100% contre kill pendant genre 15 secondes. Ouais non mais Anoki c'est vraiment pas le problème, pour le coup c'est le seul qui a fait le taf. Moi, je te dis juste que quand il y avait tout le monde à droite, il y avait du mal à tuer les unités déjà. Et quand si il est sur une barrière et qu'il est en train de faire sa spé et tout, il a du mal à tuer la barrière. Mais s'il y a une unité qui lui fonce dessus, il va se retourner sur l'unité et il va plus taper la barrière. Après, c'est normal qu'ils ont un peu du mal contre ces unités. Hein. Ils ont le mur. Hein. Même nous, ça prend un tout petit peu de temps. Ouais. Ouais, moi, le mur. Bah, avec Yushiga, ça va plus vite. En vrai. Oui, Yushiga, ça va plus vite. En c'est vrai, avec Anoki, tout le monde ça marche aussi. Mais le détruit. Ouais, mais si, par contre, le mur il met 1000 ans. Voilà, ouais. Si je mets les trois, c'est-à-dire Anoki, Wategi et Ordo, les trois c'est facile. Mais il faut vraiment que les trois soient ensemble. Et malheureusement, j'arrive pas à passer le. En gros, si tu veux aller plus vite, tu mets Wategi avec Yushiga en sub. Au moins, Wategi ça. Il a pas Yushiga. Oh, quel dommage. Et pro, envoie le replay, le record. Tu peux directement regarder sur Twitch. Sur Twitch. Mais je crois qu'il faut qu'il coupe le live, non? Non, t'as besoin. T'as besoin. Tu peux juste sur profil, passer. Et tu fais vidéo. Ouais, tu vas sur ton profil, tu fais vidéo. Et c'est directement enregistré. Non, t'as besoin. Okay. T'as besoin. Tu peux juste sur profil. Et tu fais vidéo. Ouais. Okay. Tu vois, genre dans cette archive, il y a un point d'interrogation. Il y a une heure. C'est ça. Du coup, à. Avec ses spé contre Muta du rouleau 1. Non, mais ça, c'est parce que j'étais... Ah, là, attendez, je vais vous montrer le truc que je voulais faire. Vraiment, rouleau 1. Bah, du coup, vu que tu stream plus, tu peux pas nous streamer sur Discord, peut-être ça ira plus vite. Oui, on veut bien. Effectivement. Par contre... En plus, je peux juste vous streamer quel... mon... Quel...